Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul Beauty Bay, Vintage et fil unique. Donc, j'ai reçu des produits de chez Beauty Bay il y a de ça un petit bon moment. Et c'était du skincare. Donc c'est pour ça que c'est marqué dans le titre revue, parce que c'est des produits que j'ai déjà testés. J'ai pas terminé, mais je les ai testés pendant un bon long moment. Et j'ai une idée sur ces produits-là. C'est des produits que j'ai sélectionnés moi-même. Et voilà. Et puis, je vais vous montrer des achats que j'ai effectués moi-même avec mes sous sur le site de Beauty Bay. Des achats de chez Filunique et un bon plan que j'ai trouvé sur Vinted. Je vais commencer tout de suite par Vinted. J'ai trouvé deux produits, en fait. Je vous ai déjà parlé de ce produit-là de la marque Origins il y a déjà un bon petit moment, je pense. Et c'est une lotion pré-soin apaisante. J'ai déjà testé cette lotion plusieurs fois et j'adore. J'aime beaucoup cette lotion. C'est une lotion qui vient apaiser la peau et moi, j'ai tendance à avoir une peau qui réagit vite. Donc ça devient rouge par exemple après avoir lavé mon visage, etc. Et quand j'utilise cette lotion, franchement ma peau elle est toute apaisée, j'ai pas de rougeur, j'ai pas de réaction. Parfois ça me gratte et ça devient rouge, mais avec cette lotion j'ai pas ce problème là. J'ai utilisé le produit en petit flacon, plusieurs fois en petit flacon. Et j'ai regardé un petit peu sur Vinted, je suis tombée sur une vendeuse Vinti qui revendait à l'eau en fait. Donc moi je cherchais seulement la lotion, mais elle vendait le lot à 10 euros. À 10 euros, j'ai pas réfléchi, bien sûr j'ai regardé les évaluations de la Vinti, etc. Elle a de très bonnes évaluations et le contact était super. Donc j'ai pris la lotion en gros format en 200 ml. Normalement ce produit coûte 40 euros je pense. Et avec le produit là qui est la émulsion fortifiante. Je ne connais absolument pas ce produit. Je vais voir ce que ça va donner. Enrichi en émollient, cette émulsion soyeuse pénètre rapidement la peau et referme des ingrédients riches en nutriments. Les champignons fermentés Reishi et chaga hydratant instantanément la peau pour la fortifier et lui procurer une incroyable sensation de légèreté. Elle agit visiblement pour rééquilibrer les peaux irritées. Donc voilà, cette gamme à base de champignons, elle agit sur en fait l'irritabilité de la peau, donc elle apaise, etc. Et je suis trop contente parce qu'à 10 euros les deux produits, il n'y a pas mieux je pense. Je vous montre le flacon, c'est le gros format hein, qui se présente comme ceci, voilà. Et l'émulsion, le packaging, il est comme ceci. Voilà, style de lotion comme ça. Voilà, les deux produits. Je suis trop contente d'être tombée sur ces produits-là à ce prix-là, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour Vinted, je vais passer à mes achats Beauty Bay. Bien évidemment, j'ai craqué sur les nouvelles palettes, la Earthy, machin, la verte, la bleue, etc. Mais j'ai pas pris les toutes grandes, j'ai pris les moyennes. Parce que dans les toutes grandes, il y a des fards que j'ai déjà dans d'autres palettes ou dans des palettes Beauty Bay que j'ai déjà. Du coup, je me suis rabattue sur les moyennes et je trouve que c'est largement suffisant. Et mon Dieu, quand je les ai reçues et j'ai ouvert donc les palettes, en vrai, elles sont incroyable, franchement. Donc, c'est des palettes de 16 fards. Celle-ci, c'est la Berries. Donc, ça arrive dans les packaging classiques noirs de chez Beauty Bay. Toujours bien emballé avec du plastique bulle. Et voici la violette, la Berries. Je pense que vous les avez déjà vues. Hein. Mon Dieu, donc on a toujours le petit miroir, le plastique de protection. Et regardez-moi cette color story, les amis. Franchement, oh, il faut les voir en vrai ces palettes. Il y a des lumineux, un truc de fou. Mon Dieu, j'ose même pas la swatcher. Je pense que je vais pas la swatcher. Je ferai des swatchs sur Instagram comme d'habitude en reel. Et bien sûr, je ferai des make-up avec. Je me demande si je ferai même une vidéo par palette en fait. Je pense parce que j'ai trop envie de m'amuser avec ces beautés. Trop belle. On passe à la Midnight qui est dans les tons bleus. Et franchement, c'est une tuerie aussi. Oh, c'est une tuerie. J'adore les packaging de la couleur des fards. J'aime beaucoup. Et celle-ci, les amis,
Pour celles et ceux qui aiment bien le violet, le bleu, etc., vous allez être servis. Regardez-moi la beauté, les amis. La beauté. Oh my God. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir des swatchs et tout ça et tout ça. Waouh, waouh. Franchement, là, il y a des mats qui sont magnifiques, magnifiques. Le bleu ciel, là, il est trop beau. Ce bleu, là, incroyable. Les violets, magnifiques. Oh, franchement, c'est des bombes, ces palettes. C'est des bombes. Et la dernière, bien évidemment, c'est la verte. Qui est juste canonissime aussi. Mon Dieu, que c'est beau. Et en plus, j'ai profité d'une offre sur le site de Beauty Bay. À certains moments, ils ont fait les produits Beauty Bay, les palettes, je pense, 2 plus 1 gratuite. Donc, j'en ai profité. J'en ai une gratuite. Et en plus, j'ai reçu un cadeau. Je vais vous expliquer comment s'est passée l'histoire. Alors, voici la Earthy. Voilà, packaging vert. La Earthy. Voilà. Franchement, les moyennes, c'est largement suffisant. Voilà. Par contre, la bleue, franchement, la bleue, j'ai regretté de ne pas avoir pris la grande parce que je pense qu'il y a des fards qui sont aussi très, très, très jolis, des autres fards. Donc, on verra bien. Ça, c'est la Earthy, bien évidemment, des magnifiques verts. Ce vert-là, oh my goodness. Waouh, waouh, waouh. Il y a du doré, il y a du champagne, il y a des différents tons de vert. C'est une tuerie monumentale. Alors, je vous explique pour cette commande. J'ai mis dans mon panier les 3 palettes et j'ai mis un lot avec tous les blushs de chez By Mitchell. Ils étaient à moins 70%, ils passaient à 36 euros au lieu de 100 et des euros. Je l'ai mis dans mon panier, j'ai validé et tout. Je me suis dit, cool quoi, parce que je suivais ce produit-là, je suivais ce lot-là. Il y a un lot qui est à prix plein, je ne sais pas pourquoi. Il y a ce lot-là qui est à moins 70%. Je l'ai mis dans le panier, mais j'étais pas très sûre. Je me suis dit que c'est peut-être un bug ou ils se sont trompés ou quoi. Et effectivement, j'ai reçu un mail de Beauty Bay pour m'annuler donc le lot. Et malgré ça, j'ai gardé le cadeau que je vais vous montrer. J'ai reçu que les palettes. Tant pis, c'est pas grave. Du coup, il y avait à l'achat, quand on arrive à 60 euros, 70 euros d'achat ou 60 euros d'achat, je sais pas. On a la The Facial Cleansing Brush. Donc, c'est une brosse nettoyante pour le visage. Celle-là, je ne vais pas l'utiliser, je vais vous la garder pour un concours parce que c'est pas que je n'aime pas utiliser ce genre de produit, mais c'est que j'ai trop la flemme en fait d'utiliser ce genre de produit, tout simplement. Bon, elle ne veut pas s'ouvrir, ça me saoule. En fait, il y avait du scotch des deux côtés, donc ça se présente comme ceci. On a le petit manuel qui vous explique tout et voici comment ça se présente. Donc, c'est de la marque Beauty Bay en fait, tout simplement, très joli. Il n'y a rien à dire, couleur jaune flash, jaune vert flash, comme ça. Voilà. Et je ne sais pas comment ça fonctionne. Il faut des piles, il faut mettre des piles, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah! Donc, on peut diminuer l'intensité, on peut augmenter l'intensité. Bref. Elle a l'air trop trop bien avec les détails argentés et tout. Trop la classe, j'ai envie de dire. Donc ça, ça va rester pour un concours. J'ai plein de trucs dans mes tiroirs à concours, les amis. J'espère arriver à 30 000 abonnés bientôt. Parce que là, ça va exploser le concours, moi je vous le dis. On y est presque, tout doucement mais sûrement. Donc voilà les amis pour mes achats Beauty Bay. Maintenant on va passer aux produits qu'ils m'ont envoyé il y a un petit bout de temps et que j'ai testé à mon aise et tout. Let's go, c'est parti. Tout d'abord j'ai envie de mettre le focus sur 2 produits que moi j'ai acheté moi-même et que j'ai testé et que vous pouvez les retrouver sur le site de Beauty Bay et qui fonctionnent super bien. J'y tiens en fait à vous les montrer parce que c'est des pépites. Tout d'abord dans un haul... précédent Beauty Bay. J'ai acheté en fait les patchs pour les boutons. Un paquet comme ça de la marque Beauty Bay avec des patchs. Donc c'est cruelty free, avec des ingrédients naturels, des formules simples, etc. C'est le Blemish Stickers à base d'hydrocolloïde. Donc pour atténuer les boutons. Donc dès que vous avez un bouton, vous mettez un petit patch et le lendemain, ça s'atténue un truc de fou. J'ai déjà testé plusieurs fois d'ailleurs, vous allez voir que le paquet a déjà bien été entamé. Voilà, j'ai déjà utilisé toute cette partie-là. Donc, vous avez des gros, des petits, en fonction du bouton, bien évidemment.
s'il est gros ou petit. Donc j'avais utilisé des deux côtés. Hein. Dès que j'ouvre un paquet, je n'ai pas fait attention. En fait, chaque fois, j'ouvre un autre paquet. Donc voilà. Franchement, ils sont super bien. Et ça a beaucoup fonctionné sur mes boutons. En tout cas, le lendemain, ils sont vachement atténués. Et presque rien après 2 jours, quoi. Voilà. Et le deuxième produit, en fait, que j'ai pas acheté sur le site de Beauty Bay et que j'ai remarqué, la caméra a coupé, batterie faible. Heureusement que j'ai toujours une batterie que je mets à charger quand je filme. Comme ça, j'ai de stock, voilà. Je disais, j'avais complètement oublié que la marque Too Faced se vendait sur le site de Beauty Bay. Et j'avais acheté ce produit-là aux soirées Gold ou journée Gold, je ne sais pas, à Sephora. Et c'est le nettoyant visage de la marque Too Faced. C'est un détoxifiant, nourrissant et calmant. C'est le Hangover Wash the Day Off Pore Purifying. Ça vient purifier les pores. Et ça mousse, parce que moi, j'adore les nettoyants qui moussent. Et franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Voilà, je l'ai massacré. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que quand j'ai commandé la lotion, j'ai aussi commandé le nettoyant sur Vinted, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Je pense qu'il y a un problème et qu'il ne va jamais arriver. Donc, je vais demander un remboursement, voilà. Mais sinon, vous pouvez le retrouver sur Beauty Bay et avec les codes promo, voilà, on peut l'avoir moins cher. Donc, ça enlève le make-up, les impuretés, ça adoucit, ça prépare la peau pour les soins. J'ai trop kiffé, l'odeur elle est incroyable. Je tenais vraiment à vous le montrer et à vous dire ce que j'en pense parce que j'ai terminé le truc et j'ai trop kiffé, ça mousse super bien. Après la peau, vous sentez qu'elle est propre de chez propre, elle est vraiment purifiée en profondeur et j'adore ce produit. Franchement, excellent nettoyant visage. Voilà, comme ça c'est dit et vous savez ce que j'en pense. On va passer donc aux produits que j'ai reçus et que j'ai testés. Donc on va commencer par la gamme Beauty Bay parce que j'ai reçu aussi d'autres produits, d'autres marques. On va commencer par le produit qui est le Overnight Moisture Balm Hydrating. Donc c'est un baume hydratant. Vous pouvez l'utiliser pour tout le corps. Moi, je l'ai utilisé spécialement pour mes coudes et les coudes de Lara. Et ça fonctionne très bien. Je n'arrivais pas à l'utiliser sur le visage parce que c'est un baume qui est quand même un petit peu gras, on va dire, assez gras. Mais c'est le gras, comment vous expliquer? C'est pas le gras trop collant, non, c'est du gras sec parce que la texture, elle est quand même pas très épaisse. Vous voyez, c'est pas une texture épaisse. Vous voyez, c'est une texture, regardez, c'est une texture assez liquide en fait. Vous voyez? Et puis, je sais pas, il n'y a pas d'odeur déjà. Ça se fond très très bien dans la peau. Mais après, il y a une sensation bizarre sur le visage que j'ai pas aimé en fait. Mais sinon, ça hydrate super bien des endroits secs sur votre corps, etc. On a testé moi et Lara. Et franchement, même pour les mains, hein, c'est génial. Et ça s'absorbe bien, hein, vous voyez? Après, il n'y a plus rien quoi. Voilà. Très bon produit pour hydrater en profondeur. Et surtout la nuit en fait, il faut l'utiliser la nuit pour tout type de peau, ça rajoute une bonne dose d'hydratation en fait. À base d'acide hyaluronique, polyglutamique acide, donc voilà, ça hydrate à mort en fait tout simplement. Très bon produit, pas cher, si vous avez des enfants qui ont la peau sèche, que ça gratte, etc. Ça aide à vraiment bien hydrater après la douche, le bain, etc. Donc, c'est cruelty free et des formules simples. Donc, celui-là, il est super. Alors, on va passer à un petit baume à lèvres qui est le Lip SOS Mask Castor Oil à base d'huile de... Castor Oil, huile de ricin, voilà. C'est un petit baume à lèvres qui est très, très bien. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Moi, j'aime bien les textures de baume qui sont très légères, assez liquides et légères. Et celui-là, il a fait vraiment le job. Donc, j'ai utilisé pas mal ce produit le soir surtout. Et c'est aussi cruelty free et vegan. C'est un contenant de 15 ml qui se présente comme ceci. Voilà. Et c'est le Lip SOS Mask. Donc, c'est un masque pour les lèvres de nuit. Voilà. Donc, il aide à hydrater à fond les lèvres, à les lisser pour tout type de peau. Donc, franchement, ça, vous pouvez foncer les yeux fermés. C'est un très bon produit. Ensuite, on a... Le contour des yeux, c'est le Hydrating Eye Treatment à base de caféine et de peptides. Donc ça vient illuminer le dessous des yeux, à hydrater pour tout type de peau, un tube de 15 ml cruelty free et vegan. Alors, ce produit, c'était
Bof, bof, en fait. Moi, ce que j'aime bien dans un contour des yeux, c'est la texture. La texture, il faut qu'elle soit comme du gel, en fait, du gel léger qui hydrate super bien, donc qui reste quand même un petit peu légèrement gras, entre guillemets, pour la nuit, je parle. Comme par exemple, si vous connaissez la texture des contours des yeux de la marque Darphin. Incroyable, c'est une texture moelleuse, fondante, un gel crème en fait, trop bien, j'adore. Et celui-là, c'est une texture qui est quand même, on va dire, pas épaisse, hein, mais elle tient bien quand même, comme vous voyez. Et en plus, quand je l'applique, il est bien, ça s'applique super bien, donc il hydrate et tout, mais j'ai toujours envie d'en mettre plus parce que je sens que mon dessous des yeux absorbe tellement le produit que j'ai envie d'en remettre. Or que, par exemple, avec la crème contour des yeux Darphin, il suffit d'une goutte et je fais tout mon contour des yeux et c'est trop bien la texture. Donc, il est bien pour celles qui n'aiment pas l'effet un peu gras qui reste en dessous des yeux. Vous pouvez foncer, il fait bien le job, ça hydrate super bien. Mais moi, j'ai eu du mal un tout petit peu. Je sens que j'ai encore besoin d'hydratation en fait pour mes dessous des yeux, tout simplement. Donc voilà, celui-là, c'est bof bof pour moi. Ensuite, le baume démaquillant Beauty Bay. Franchement, il est topissime. J'ai déjà fait un reel, je pense, sur Instagram avec ce produit et ça élimine le make-up, un truc de fou. Donc c'est un baume tout simplement démaquillant qui est comme ceci. Voilà, je l'ai quand même pas mal utilisé. Ça sent un petit peu les huiles essentielles en fait, mais très léger, hein, voilà. On a une petite spatule, comme vous voyez bien, comme ça vous n'allez pas avec vos doigts à l'intérieur. Donc franchement, c'est un très très bon baume démaquillant, je le valide à mort. En fait, je suis en train de, comment dire, j'aime bien alterner entre les baumes démaquillants. Une fois j'utilise ça, une fois j'utilise un autre, une fois j'utilise un autre. Vous savez que j'adore tester plein de choses en même temps. C'est un défaut, mais bon, c'est comme ça. C'est le Buttercup Cleansing Balm. Donc ça nettoie en profondeur et ça hydrate la peau pour tout type de peau. C'est cruelty et vegan. Si vous voulez tester un baume démaquillant pas cher, et souvent ils sont en promotion sur le site de Beauty Bay, n'hésitez pas, il est excellent ce produit. Ensuite, on passe à un sérum qui s'appelle Skin Hit 02% Rétinol Complexe Sérum Rétinol plus Peptide, qui se présente comme ceci, le packaging. Et on est sur un système à pipette, voilà, comme ceci. Alors, c'est un sérum qui vient donner de l'éclat au visage et qui vient lisser la peau. Il est à base de 0,2% rétinol complexe. Donc ça améliore l'apparence des taches brunes, des taches noires sur le visage. Ça réduit l'apparence des rides et des ridules. Et concernant les peptides, ça infuse la peau d'une hydratation extrême. Et du coup, la peau est toute lisse, plus claire et healthier looking skin. Donc pour un effet bonne mine, bonne santé de la peau. Je l'ai testé pendant un bon moment. Franchement, il fonctionne bien, mais j'ai pas vu vraiment de résultats sur mes taches brunes. Voilà, il hydrate bien, je sens et la texture. Donc c'est un liquide très léger. La texture est sympa, très agréable à mettre sur le visage. Il n'y a rien à dire. Donc c'est toujours cruelty free et vegan avec des formules simples, etc. Ça coûte pas cher et ça hydrate super bien en tant que sérum, voilà quoi, pour tous les jours, pour le soir, pour le matin. C'est un flacon de 50 ml. Moi, j'ai pas vu d'effet sur mes taches brunes, mais ma peau est devenue lisse et bien hydratée. Et enfin, de la marque Beauty Bay, j'ai choisi ce produit-là. En fait, c'est un roller, The Ice Facial Roller. Voilà. Donc c'est un roller que vous pouvez utiliser pour appliquer vos crèmes, vos soins, en fait, tout simplement, qui se présente comme ceci. Voilà, la couleur est trop sympa. Là, on a le B de Beauty Bay. Et c'est tout froid. C'est tout froid. Et vous pouvez le mettre aussi dans le frigo pour avoir plus de fraîcheur sur le visage. Donc ça tourne. Vous venez appliquer votre sérum, votre crème, etc. Je l'ai utilisé plusieurs fois et franchement, trop bien. C'est très frais. Même sans le mettre dans le frigo, il est hyper frais, un petit peu lourd. Donc c'est marqué, vous pouvez le mettre au frigo pendant 15 minutes et vous venez en fait appliquer le produit dans ce sens-là.
Voilà, toujours vers le haut, toujours vers le haut, comme ça vers le haut. Voilà, pour appliquer vos soins, etc. Toujours étirer vers l'extérieur en fait. Ça aide à faire bien pénétrer les produits dans la peau et c'est sympa. On va passer maintenant à la marque Make Up Revolution. Du coup, j'ai choisi ce produit-là qui est très connu maintenant de la marque Revolution Skincare London, le Pineapple d'ananas, le Glow Gommage Peel for Smoother Skin à base de papaye et des extraits naturels. Donc, packaging très joli comme ceci de la marque Make Up Revolution. Et c'est tout simplement le dupe de celui de Huda Beauty, le Yo Glow, que j'adore. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas demander ce produit pour tester, voir s'il y a une différence. Et bien, franchement, ça fonctionne aussi bien que celui de Huda Beauty. Donc, c'est un produit qui est comme ceci. Donc, c'est une crème comme ceci, blanche. Comme vous voyez bien, vous la mettez sur peau sèche et vous commencez à frotter. Donc, c'est un gommage qui est quand même assez light. Il n'est pas agressif pour la peau. Et quand vous gommez, il y a des petits trucs qui partent. En fait, les peaux mortes commencent à sortir. On a l'impression d'être au hammam, là, tu vois, quand on frotte. Et les saletés qui commencent à sortir. Donc, vous frottez. Et il y a des petites peluches et des petits bazars qui s'accumulent sur le visage. Et vous frottez bien, 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 bien. Après, quand vous lavez votre visage, oh my god, vous avez une peau de bébé toute douce, toute lisse, un truc de fou. J'aime énormément ces produits-là et je l'ai utilisé plusieurs fois et franchement, c'est la même chose que celui de Huda Beauty pour beaucoup moins cher, j'ai envie de dire. Donc, si vous voulez tester la même chose que Huda à moindre coût, n'hésitez pas à tester ce produit parce que c'est le même effet, quoi, tout simplement. Voilà. J'adore, j'adore ce produit. Donc, c'est cruelty free et vegan et c'est un tube de 100 grammes quand même. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. La peau est toute douce après un truc de fou. J'adore ce produit. Alors, next. J'ai sélectionné ce produit donc de la marque Revolution Skincare en collaboration avec Jack Jamie. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est un youtubeur, en fait, je pense. Donc, c'est des patchs pour les dessous des yeux. Le packaging est très sympa, je trouve. Voilà. Qui se présente comme ceci. C'est des patchs à mettre en dessous des yeux pour hydrater. Donc, Hydrating Under Eye Patches with Watermelon Extract à base de pastèque. Oh my god. Donc, c'est des patchs hydratants pour les yeux à la pastèque. C'est vegan et cruelty free. Et pas d'odeur. Il y a 60 pièces à l'intérieur. J'ai déjà utilisé ce produit deux fois. C'est pas mal. Donc ici, vous avez une petite pince comme ça en plastique qui est très pratique pour attraper le produit. Donc, il y a du produit là qui je vais vous montrer. On dirait des petits morceaux de pastèque tout fins. Trop, trop bien. Regardez-moi ça. Il y a même les pépites là, les pépites noires là. Regardez-moi ça. Bref, j'ai tout fait tomber. Oh merde! J'ai fait une catastrophe. Bon, c'est pas grave, je vais essuyer après. Donc, avec cette petite pince en plastique, vous prenez le produit comme ceci. Voilà. Et vous l'appliquez en dessous de vos yeux. C'est un produit qui est très hydratant pour le dessous des yeux. Ça, il n'y a rien à dire. Par contre, il se casse très vite. Je l'ai pris pour l'été. Déjà, regarde, voilà. Je l'ai pris avec la pince, il s'est déjà fracassé, quoi. Il se casse rapidement et c'est ça que je reproche à ce produit. C'est dommage parce que l'idée est bien, mais ça se casse très vite. J'ai voulu changer de place un petit peu, hein. J'ai été doucement. Ah ben, ça s'est coupé en deux. C'était le carnage en fait, le carnage. Voilà, sinon franchement c'est un bon produit, trop sympa, très agréable à utiliser. J'aime beaucoup, beaucoup. Ils sont bien imbibés en plus, vraiment bien imbibés, tellement bien imbibés que tout est tombé par terre ici sur le bureau. Donc voilà, super produit, mais il faut faire attention, il ne faut pas faire comme moi, renverser le flacon, n'est-ce pas? J'ai quand même nettoyé le carnage que j'ai fait parce que je ne pouvais pas continuer à filmer en voyant ce truc-là, cette flaque d'eau toute rose. Alors, il me reste deux produits à vous montrer. J'ai choisi ces machins-là. C'est les Derma Planner. C'est des rasoirs
pour les sourcils, le visage, tout ce que vous voulez. Moi, d'habitude, j'utilise ceux que j'achète chez Action ou chez AliExpress. Et cette fois-ci, j'ai voulu vraiment tester les vrais, on va dire, les vrais, les bons, quoi. Et je ne regrette absolument pas, ils sont géniaux. Je ne sais pas si vous savez, si vous me suivez depuis longtemps et que vous avez déjà vu quelques vlogs, vous m'avez vu me raser le visage avec ce genre de produit. Donc le paquet arrive comme ceci et il y en a 12 pièces dedans. Je vais vous montrer comment il se présente. C'est de la marque Dermaplaner. C'est elle qui a sorti, je pense, ce produit-là. J'en ai déjà donné à ma cousine un ou deux, je pense. Ils sont très très bien. Donc c'est des rasoirs qui ne coupent pas. Hein. Vous voyez, ce n'est pas des rasoirs, sauf si vous commencez à couper comme ça. Donc ça arrive comme ceci. C'est des roses mouchetées comme ça. Et voici le rasoir, comment il se présente. Voilà. Donc, ce machin, je l'utilise pour raser tout mon visage, sauf ma moustache. Parce que j'ai déjà testé une fois avec ça pour ma moustache. Ah ben, ça pousse quand même assez épais. Et moi, j'ai des poils de moustache, laisse tomber. C'est une grosse merde, on va dire. Voilà, ils sont depuis que j'étais adolescente, c'est toujours le même problème. J'ai des poils horribles. Mais je l'utilise pour tout mon visage, donc je fais tout le tour et c'est toujours le même mouvement, du haut vers le bas, jamais du bas vers le haut, du haut vers le bas. Donc voilà, je fais le contour, le contour, le contour, le contour. Tac, 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 tac. Après, vous avez une peau lisse, de chez Lisse. Après, quand vous appliquez votre make-up, magnifique rendu. Le fond de teint, il s'applique comme un rêve, les amis. Je kiffe trop. Il marque quoi ici? Il exfolie la peau, bien évidemment. Quand vous rasez, vous exfoliez la peau en même temps. Vous enlevez donc les peaux mortes, etc. Donc, ça enlève délicatement les peaux mortes et les poils du visage. La peau est plus douce. Donc, je suis en train de traduire, les amis. Bear with me. Donc, ça lisse, ça donne de l'éclat et un grain de peau amélioré. Voilà, le make-up applies smoother and more evenly. Le make-up après s'applique à merveille. Et là, vous avez le schéma de comment vous pouvez utiliser le produit. Les Dermaplaner. Je les utilise, quoi. Ça, c'est ma vie, quoi. Je fais ça une fois par mois. Je ne fais pas ça tous les jours, hein, les amis. Une fois par mois, ça pousse tout doucement à son aise. Et après, j'attaque. Donc voilà, ça, c'est trop, trop bien comme produit. Et enfin, une crème hydratante de la marque Pharmacie. Je pense que vous connaissez cette marque. J'ai déjà testé leur baume démaquillant qui est excellent. Excellent. Avec une odeur gourmande, une bonne odeur. Vous avez plusieurs odeurs. Vous pouvez choisir en fait. Et la couleur aussi, c'était une couleur un peu pêche, rosée et tout ça. Et ça sentait, celui que j'avais pris, ça sentait la fraise ou les fruits. Un truc comme ça. Et ça démaquille merveilleusement bien. Franchement, la marque Pharmacie, elle coûte cher, mais elle est efficace. Du coup, j'ai testé cette crème hydratante le soir parce qu'elle est quand même assez riche. Donc, c'est la Honey Halo crème ultra hydratante aux céramides. C'est un pot de 50 ml qui est juste magnifique. Voilà, c'est une crème hydratante à base de miel. Regardez-moi le capuchon, il est en bois, les amis, givré. Et la couleur de la crème, c'est ça, en fait, jaune clair. J'aime énormément le packaging. Donc, c'est un hydratant intensif qui revigore la peau sèche et malmenée. Les céramides et le miel aident à protéger la barrière hydrique cutanée. Voilà, moi, je l'utilise le soir et une très, très belle expérience, en fait. Voilà, tout simplement. C'est fondant, c'est hydratant, c'est pas trop trop gras, hein. Franchement, non. Mais on sent que la peau est repulpée après, on sent que la peau est bien hydratée en profondeur. Un truc de fou cette crème. Alors, c'est fourni avec une spatule en métal, les amis, bien sûr. Voilà, la classe quoi. En métal. Que j'utilise bien évidemment, je la laisse toujours au fond. Et on a une petite opercule, comme ceci. Hop. Ça sent trop bon. Ça sent bon le miel, mais pas une odeur forte de miel, une odeur toute douce de miel. J'ai apprécié énormément ce produit, donc je l'ai quand même bien bien utilisé le soir surtout. Voilà. Et le lendemain, on a une peau toute lisse, toute repulpée.
bien hydratée. Je vais vous mettre un petit peu comme ça, vous voyez la texture. C'est une texture moelleuse, comme de la crème fraîche. Vraiment très 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 agréable. Toute douce la texture, vous voyez, vraiment toute douce et on sent la qualité quoi. Ça, il n'y a rien à dire, ça pénètre super bien, ça reste pas trop gras, ça reste un petit film gras mais léger. Donc c'est pour ça que je l'utilise le soir. Excellente crème, franchement j'ai adoré utiliser cette crème et je vais y retourner après parce que maintenant j'ai commencé la routine The Ordinary. Je vous en parlerai plus tard. Et quand j'aurai fini ma routine The Ordinary, je retournerai vers les produits que j'ai déjà à la maison. Donc voilà les amis. Bien sûr, il faut l'utiliser sur peau propre. Hein. Vous pouvez l'utiliser matin et soir, mais moi je l'utilise que le soir. Et bien sûr, évitez le contour des yeux. Alors, c'est cruelty free, non testé sur les animaux, sans huile minérale, sans phtalates, sans parfum synthétique, sans composé libérant du formaldéhyde, cultivé par des agriculteurs, activé par des scientifiques. Donc la formule restaure l'hydratation de la peau pour aider à en améliorer visiblement le galbe et pour atténuer l'apparence des ridules convient aux peaux normales à sèche. Donc voilà les amis, franchement, foncez, testez ce produit, vous allez kiffer si vous avez les moyens ou alors il faut attendre un petit code promo. Malheureusement, cette vidéo, j'ai pas de code promo à vous proposer parce que les produits, ils me les ont envoyés depuis très longtemps. C'était une collab avec un code promo, mais j'ai reçu les produits très 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 tard, donc je les ai reçus en retard. Du coup, je les ai laissés de côté, je les ai utilisés à mon aise et puis je me suis dit je ferai une vidéo pour vous parler de tout ça en profondeur. Donc voilà les amis, on va passer vite fait à mes achats fil unique et puis c'est terminé. Alors sur fil unique, il y avait un code promo de 35% je pense. Du coup j'en ai profité, 35% ou 40%, je ne sais plus. Soit 35, soit 40. Du coup j'ai profité et j'ai fait le stock de ma brume fixatrice. Brume noix de coco hydratante, Hydrating Coconut Mist. Je vous en ai déjà parlé de ce produit. Maintes et maintes fois, voilà. Du coup, j'en ai pris deux. D'ailleurs, sur le site de ELF, de la marque ELF, j'ai oublié de vous dire, sur le site ELF, elle n'y est plus, je pense. Sur le site de Douglas, parce que je pense que je l'ai commandé sur le site de Douglas, moi, elle n'y est plus non plus. Et quand je l'ai vu sur le site de Fil Unique, j'étais trop étonnée et j'ai commandé direct avec le code promo, ça passait dessus. Et c'est passé à 4 euros et quelques le flacon, quoi. Ça coûte pas déjà cher à la base. Et là, c'est passé à 4 euros et quelques, j'en ai profité, franchement, trop bien. C'est cruelty free et vegan. J'ai une peau avec cette brume magnifique. Ça hydrate ma peau à fond, ça fixe le maquillage. Et la texture en fait de ma peau est vraiment améliorée. Toutes les textures, le bronzer, le blush, etc. sont bien fondues ensemble. Une tuerie monumentale. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Qu'est-ce qu'il marque ici? Cette brume légère hydrate la peau et rafraîchit le maquillage sous un parfum vivifiant de noix de coco. Voilà, avec une odeur de noix de coco très très agréable. Du coup, j'en ai pris deux directement parce que le mien, je vous le montre, il arrive où? Il arrive là, plus que la moitié, donc il ne me reste que ça. Voilà. En fait, je l'utilise tout doucement, je n'avais pas envie qu'il se termine vite. Alors, j'ai acheté deux blushs. D'ailleurs, celui que je porte aujourd'hui, c'est un produit qui vient de chez Fil Unique. D'ailleurs, il est où? Il est où? Il est là. Donc, j'avais pris deux teintes, des blushs Huda Beauty, les nouveaux, les Cheeky Tint, blush stick, blush en stick. J'ai pris la teinte Proud Pink, voilà, celui-là je ne l'ai pas encore testé, mais celui-là, le Rebel Red, je l'ai testé aujourd'hui, d'ailleurs ce tuto je pense que vous l'avez déjà vu en vidéo, ou alors vous allez le voir bientôt, qui est rose, ça pour l'été, ça va cartonner. Moi j'ai déjà acheté la teinte Coral Cutie de chez Sephora, donc dans les journées gold. J'ai trop kiffé et puis j'ai acheté les deux autres teintes. Et ça, c'est le Rebel Red qui est juste canonissime. Voilà. Et entre parenthèses, nous ici en Belgique, on peut aller sur le site Fil Unique UK. On peut mettre
les produits Huda Beauty dans notre panier. Et quand je switch sur Fil Unique France, ah ben, les produits Huda restent dans mon panier et je peux bénéficier des réductions dessus. Et c'est livré chez moi. Or que je sais que pour les Français, ça ne se passe pas comme ça. Ils ne peuvent pas faire cette petite technique. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, nous en Belgique, ça arrive jusque chez moi, les produits Huda de chez Fil Unique. Parce que vous ne trouvez pas, je pense, la marque Huda Beauty sur Fil Unique France. Il n'y a pas. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je me connecte sur Fil Unique UK. Je mets les produits Huda que j'ai besoin. Et puis, je switch sur mon compte Fil Unique France et je passe commande avec les codes promo de Fil Unique France en fait. C'est comme ça que ça se passe. C'est tout un micmac en fait, voilà. J'ai pris deux produits blush Huda Beauty. De Huda Beauty, j'ai aussi craqué sur ce petit coffret avec le nouveau parfum en format sac à main et le rouge à lèvres. C'est le Kayali Juicy Kit. Et à l'intérieur, le rouge à lèvres, c'est une teinte exclusive qui s'appelle Lover. Voilà, je vous montre vite fait ce qui se trouve à l'intérieur. Donc on a le petit parfum que j'avais trop hâte de tester, à base de pommes je pense, apple, voilà. Il y a pomme et un tout petit peu de vanille si je ne me trompe pas. En tout cas je l'ai déjà testé une fois, ça sent trop bon. Et plus il refroidit, plus il sent bon. Il est hyper frais, ça pour l'été les amis. Une tuerie monumentale. C'est acidulé, frais, légèrement sucré. Oh, une merveille. Une merveille. Oh là là, regardez-moi ce petit packaging. Trop beau. Et la teinte Lover, c'est une teinte exclusive apparemment pour ce kit qui est un magnifique rouge. Comme ceci, je vais vous le swatcher. Hein. Ah, ça sent trop bon ce parfum. Oh, plus il refroidit, plus il devient... C'est un rouge, comment dire, avec une petite pointe de rose, de fuchsia ou quoi. Il est magnifique. Il est magnifique. Oui, c'est ça en fait. C'est un framboise en fait. C'est un framboise, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez la couleur comme il faut, avec les lumières. C'est un framboise, les amis. Oh, ce parfum. Oh my god. Ça sent trop bon. Donc voilà, j'ai craqué pour ce kit à moins 40%, moins 35%, ça valait trop le coup, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai craqué sur un fond de teint qui était en solde à 50% sur le site de Fil Unique. Franchement, j'ai profité. C'est une marque de fond de teint que j'ai envie de tester depuis très longtemps. Je guettais cette marque sur le site Beauty Bay, en fait. C'est la marque Rodial, c'est une marque qui coûte très cher. Les fonds de teint coûtent, je pense, 52€, un truc comme ça. Et chaque fois que je voulais acheter sur le site de Beauty Bay, il n'y a pas ma teinte en fait. Ou alors ma teinte n'est pas en solde. Je suis tombée dessus sur le site de Fil Unique. J'ai commandé direct, moins 50%. Et en plus, j'avais 5€ de réduction quand on accumule les achats et tout ça. Et je pense que j'avais un autre truc. Bref, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais trop contente. Donc, ça se présente comme ceci, le packaging de la marque Rodial. Et le fond de teint s'appelle Skin Lift Foundation. C'est un flacon de 30 ml. Donc, c'est un fond de teint liftant, effet soft focus. On aime. On aime. Alors, j'ai pris la teinte 70. Voilà. Je pense que ça va. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en français ici? Pour vous donner plus de détails sur ce produit. Donc, fond de teint liftant, un fond de teint hydratant ultra confort, au toucher velouté et au fini satiné, pour une peau naturellement éclatante avec une couvrance moyenne modulable. Il est formulé à partir de pigments réflecteurs de lumière et d'actifs correcteurs de couleur dans une formule ultra crémeuse pour s'adapter de manière visible à votre teint et offrir un résultat parfait. Actif liftant qui tonifie, réduit l'affaissement et raffermit visiblement la peau. Ingrédient hydratant et lissant pour un fini parfait. Donc, on aime. Je vous montre le flacon. Qui est en plastique dur, hein. 52€, c'est pas en verre quoi. Peut-être mieux, c'est peut-être mieux, voilà. Donc il se présente comme ceci, le produit. Voilà, c'est un système en boumousse. Voilà, en boumousse. La teinte, je pense que ça va. Elle est peut-être légèrement claire, mais ça va. C'est une texture qui est assez liquide, les amis. Donc voilà, à tester, j'ai trop hâte.
Made in Italy. Voilà, Made in Italy. Et c'est anglais, en fait, la marque Rodial. Mais ça coûte cher, en fait. Je voyais ce fond de teint depuis longtemps et je voulais le tester, quoi. Et là, l'occasion, direct, je l'ai pris. Sur fil unique, j'ai aussi acheté ce pinceau-là de la marque ELF. Donc, c'est un pinceau blush que j'ai déjà testé dans la vidéo Crash Test Marion Caméléon, la palette. Et j'ai testé donc le Huda Beauty, le blush. Et ça a bien, bien fonctionné. En fait, c'est un pinceau qui est biseauté comme ceci, qui est très doux, mais en même temps assez rigide. Donc, pour l'application des blushs crème, ça fonctionne super bien. C'est le Angled Brush de chez ELF et ça coûte rien du tout. Avec la promotion, je l'ai eu à 3 €, je pense, un truc comme ça. Donc, ça valait trop le coup. Ça arrive dans un packaging en plastique comme ceci. Et c'est cruelty free et vegan, le pinceau. Comme ça, vous savez, pinceau blush angulaire. Et enfin, j'ai trouvé une petite pépite. Je vous ai fait déjà le reel sur ce produit-là avec des swatches et tout ça. J'ai pris un duo blush highlighter de la marque Iconic London. Mon Dieu, c'est une nouveauté ça. J'ai pris la teinte Coral Glow. Coral Glow. Ouais, c'est ça. Et vous avez un autre duo comme ça avec une teinte de blush rosée et l'highlighter est rosé aussi. Moi, j'ai pris une teinte qui fonctionne avec ma carnation. Donc, on a 2 x 6 g. Et mon Dieu, packaging rose gold sur les côtés, etc. Moi, j'aime beaucoup les produits Iconic London, surtout la brume, l'highlighter, bien évidemment. Leur mascara, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, le packaging effet miroir, mais qui est très, très salissant, n'est-ce pas? Voilà, très joli packaging, il n'y a rien à dire. Et quand on ouvre la merveille, voilà ce qu'on trouve. Oh my goodness! Mon Dieu que c'est beau, c'est trop trop beau. C'est marqué Iconic London, donc sur les fards. On a un highlighter ici doré champagne et on a un corail ici, orangé corail. Magnifique. J'ai fait tomber la brume. Magnifique. Et le blush, il est lumineux, les amis. Pas trop, mais satiné. Vous voyez, il n'y a pas de paillettes. Hein. Par contre, l'highlighter, il est légèrement pailleté, mais léger, hein, vraiment léger. Je vais vous faire un swatch ici, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Voilà. Oh mon Dieu, le... Oh, oh. Le blush. Voilà ce que ça donne déjà sur les doigts. Swatch s'impose. Mon Dieu que c'est magnifique. Déjà de loin, je vous montre comment cet highlighter scintille. Et regardez-moi le blush. La couleur du blush est juste canonissime. Corail, fini satiné. Mais vraiment très très joli. Regardez-moi l'highlighter, les amis. Oh non, mais c'est une pépite. Une pépite. Voilà. Ça, je vais le mettre en action en vidéo. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, voilà, les amis. J'ai terminé avec mon haul un peu de tout. Je suis très, très contente de mes achats, de mes découvertes de skincare sur le site de Beauty Bay. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire si vous avez déjà testé des produits skincare de Beauty Bay, ce que vous en pensez, si ça a bien marché sur vous ou pas. Si vous avez testé les blushs Huda Beauty et est-ce que vous avez pu mettre la main sur ce petit produit-là, ce kit-là, Juicy. L'odeur, elle est là l'odeur. Il devient dingue, ça sent trop bon. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!